Chris, ça reste un petit épisode de feu. J'ai quand même hâte. Bonne écoute. Il y a une manche. Alexa. Raph. Raph. Bills. 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 Sur 8. T'as note de passage. Ah oui. Si on parle sérieusement, là, toi, t'aurais tout autre intérêt que Fred. Penses-tu, moi, toi? Mais non. OK, fait que les deux, il nous reste juste le même gars. Tabarouillard. Est-ce qu'on va rentrer dans un triangle amoureux? Mais c'est cute, Félix. Il m'a dit ce soir, il était comme, hey, je voudrais vraiment pas que tu partes. Ça avait tous été des Félix ou on aurait une autre game. Ouais. T'arrives, voyage avec quatre, il n'y a pas peur de dire qu'il n'y avait pas une intérêt. Hey, ça, il avait l'air noob dans ce voyage-là, en plus. C'est l'enfer, c'est vrai. À ce moment-là, là, j'étais comme, mais pourquoi il est là, lui, là? Il était pourri, là. C'est pas comme un Félix, il y a comme, on dirait, il y a. Comment c'est le même gars? Je sais pas ce qui s'est passé. Allez vers Mélinette, il a essayé, pas eu peur de la canceller. Il est allé vers toi. Hey, lui aussi, il est rendu à son plan. C'est ça. Personne ne dit rien. Mais non. Mais non. Si tous les gars veulent la mentalité comme Félix, ben oui. Personne ne dit rien. 100% complètement. Si Félix avait été là dès le début, ça aurait changé des choses aussi. Moi, ça aurait été vraiment mon style. Je l'ai dit, là, j'ai dit, hey, si t'avais été à mon secondaire, j'aurais eu un crush sur toi. Il paraît bien, il parle bien. Ouais. Il y a de l'entre-genre, il est full compréhensif. Il respecte le bro code, mais il est capable de comprendre que c'est un jeu. Ouais, c'est ça. Cette année, ils sont vraiment dans le game, là. Il est arrivé depuis deux secondes, puis ils connaissent par cœur. C'est bon, ça. C'est la compétition. Ben, Fred, là, premier party, il est venu me chercher direct. Fait que je te vois le Frenchy demain, là. Mais non, je te Frencherai pas, là. Non, mais, man. C'est de moi, hein. Casse-toi! Dites-le de moi, hein. Mais Dumble, je sais pas, là. Va-t'en, là. Un câlin? Ça m'intéresse de moi. OK, OK, j'arrête. T'es encore dans moi, là. Oh, oh oui, je t'aime, bébé. Comment oh. Ton astuce de livre, Chris m'appelle? Mais là, vous savez ou quoi, je savais que vous n'aimiez pas. Je veux le casser, ouais. Fallait regarder le vide pendant 20 minutes. Je vais essayer une chose. Il y a un niveau des voix qui me traînent. Je pense qu'à un moment donné, je vais. Faites des jokes. Ouais. Je l'apprécie, le dude, là. Ouais. Chill, mais si, je pense qu'on n'est pas 100% compatible avec garçon. Ouais, là. Je te file à 1000%. Happy bro. 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 J'ai entendu dire des affaires quand on va pas être sur cam, là, mais. C'était caliente. On a tout fait ce qu'on pouvait, genre, en gardant nos. Si Alexa, il est plate comme ça. Ils ont fourré, tu m'as dit qu'ils avaient pas fourré. Ils ont pas fourré! Mais là, Chris, tu niaises. Il vient tout de dire. On a tout fait ce qui était possible. Il a dit, je vais te le dire quand on non, non, mais... pas devant les cams. Non, mais, allez, genre, elle a brassé le paquet, faut sûr. Elle a sûrement joué avec sa tige serbe. C'est sûr. Elle a tenté le terrain, genre. Ouais. C'est sûr. Elle a cueilli des pommes. Ah. Mais sans plus, là, tu sais, elle jouait près l'arbre. Mais elle a pas mis dans sa nounise, là. On a genre tout. C'est gros du grinding, bro. Pas une main dedans. Tu sais, elle se mettait en cuillère, pis tout, genre. Pis juste. Elle fit. Ah, peut-être ses doigts sentaient un peu le... Le JJ? La noonies, tu comprends? You see what I mean? OK, je comprends. Drette, où est-ce qu'il faut? Nice. Mettons, j'ai hâte à matiner avec Kiki sans les cartes. Genre, à un moment donné, on était... Moi, puis Anna était assise sur moi. Mm. Là, à un moment donné, comme Anna, à sa place, m'a fait juste genre sauter 3-4 fois sur moi, bro. Il était j'étais comme, oh là là, c'est pas trop si mal. Tu vois que le taureau, c'est même, là, parce qu'il y en a un, là, un coquin qui me faisait... Fait que là, elle niaisait, puis elle a recommencé à sauter. J'étais comme, non, c'est pas des passes. Mais je t'aurais même pas donné de bec, tu sais. Elle, j'y crois zéro en plus. Moi, Anna me déprime tout. Esti, mes cœurs, pleu. Mais que je l'aime. Prends pas pantoute pour Anna, là. Pouah. Il est quelle heure, hein? Les filles, il est quelle heure? Ah, oh, il est 23h17, tu l'as manqué! Non! Go, va, va, pourquoi qu'il est resté dehors? Pauvre petit! Non, là, il va me laisser, c'est sûr. Bébé! Bébé! C'est en retard, bébé! Je t'avais oublié! J'avais oublié. Je le sais, je t'attends, c'est 20h! Bébé! Quoi? Bonne nuit! Demain! Pourquoi tu m'oublies? Leur Christina J'ai pas et Danny. Je pense pas à moi. Je qu'ils font leur oui, Christina et Danny même. En ce moment. Tu as passé une belle journée? Oui, toi! On n'avait pas pour faire ça. On avait pas peur. Ben, la maison n'était pas collée de même. Il y avait le gros terrain, il y avait le champ. Mais là, je pouvais aller te voir. On disait allô? Mais oui, mais on pouvait se voir. Là. Ah, mais c'est parce que la clôture n'était pas filmée. C'était quand même très cringe. C'était comme deux immenses... C'était comme des chats, quasiment. Mais ça, c'est moi que j'en viens pas qu'ils soient allés dans la maison. Je l'ai pas dit en stream. Mais c'est dit en stream que Dragos, pendant le milieu de la nuit, à genre une heure ce matin après un party. Mais même là, ils savent déjà que tout le monde fait, sait genre, ça.
Hey, je m'en vais là. J'ai pas. Faut que je parle à Camille. Matt? Il s'est pointé dans la maison, il a passé à travers tout. Tout le monde le sait. Ah! T'as pas besoin de. Il était là-bas. Puis en héros, il était craqué, il rentre dans la maison, Camille a puke. Puis là, la prod arrive. Qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Puis là, il était comme. Pourquoi? Chris! Ouais. Les filles sont leur intimité, puis t'es là, genre? Ouais. T'es ben whack! Puis là, moi, il a fait. Fuck, c'est vrai que c'est wrong. Qui l'avait craqué? Ben, sûrement toi, Carl. Carl, il était comme. Big, je pense qu'il faut vraiment que tu y ailles. Chris, le papa, il était en tabarnak. Wow, vous auriez dû faire ça! On vient d'arriver dans la région. Vous êtes pas curieux, vous-tu? On est reçu par l'Office du tourisme du Pérou, qui est pro-Pérou. Première activité, on arrive sur un bateau. On sait pas tout, on s'en va où. On se dirige vers la haute mer. Sur le chemin, on a vu des lions de mer. Ah! Ah! Je l'ai là! Après une vingtaine de minutes à peu près, on voit comme une roche. On est arrivé aux îles Blanches. Puis là, plus qu'on s'approche, plus qu'on voit la biodiversité qui se cache sur cette île. Il y a de la bonne marge, ce roche-là. S'il y a plein d'oiseaux, c'est que du caca. Là, waouh! Comme quand on est allé voir les fous de bassin. Des milliers. Il y avait de la marge là-bas. C'était naturel. Ça, en tout cas, pour moi, c'était vraiment un moment genre sacré. Elles sont gros! Mamadou est vraiment comme moi sur le fait qu'il est émerveillé par un rien. Wow, c'est tellement nice. Ça nous en prend pas grand-chose pour être en extase devant qu'est-ce qu'on voit. Ça, j'aime vraiment ça. Best friend vibe. Well, welcome to one of the mysterious of the world that we call the candelabra or the candlestick. Look at this good book. It's one of the older tales that we have in this place. Oh my god! Les illuminations. Oh non, mais extraterrestre shit, là. Watch out. How long is this marking? By 170 meters long and 64 meters wide. Tu sais, de comme un peu romantiser tout ce qui se passe, tout ce que tu vois. Quand même, là! C'est le genre de moment que j'aime créer avec lui. Pourquoi c'est le même? Je crois pas. C'est pas man-made? Merde, c'est comme les pyramides. Who knows? Non, mais t'as peu, là. Ça, c'est pas man-made. On dirait juste des marques dans le sable, genre. What? So it was here, like, centuries ago? Sure. You don't have to like touch it or anything. It no, just we don't there. Come the day before to actually. Ah ouais. Après ça, on s'est dirigé à côté de l'océan. Bienvenue au Pérou. Aujourd'hui, nous allons boire un cours de ceviche. Okay. Let me introduce our chef, Christian. The ingredients are chili, cilantro, Peruvian lime, onions, garlic, quinoa. Wow. Faut savoir que je mange pas du tout ici. Ça, Louise. Puis je mange pas vraiment de poisson cru. This is a typical Peruvian fish. Bon, oh, trip okay. Pour aucun gars, puis elle mange rien. En fait, let's go, j'embarque. Elle va manger, je crois. J'essaie d'aller vite autant que le chef, là. Je voulais avoir l'air popé. C'est une vraie chef. Je pense que Maud a passé assez proche de perdre un bout de doigt. Finalement, je me suis quand même coupé un autre. Hey, ton couteau en plus, là. Tu fais juste nous le montrer deux, trois coups, puis après ça, c'est nous qui font notre propre mets. Hey, c'est cook, là, la glace. Des coupes, tout, genre... papa, mettre de la lime, sel, un peu de sauce, des légumes. Miam, ça a l'air incroyable. Une activité en voyage. Faire du sous-marin 50 mètres sous l'eau pendant des heures. Ou cuisiner un ceviche. You choose. En fait, c'est vraiment plate ce que je vais dire, mais ils ont sûrement donné ce voyage-là à Maud puis Mamadou parce que c'est les moins intéressants. Quand tu vois l'activité, ils en ont comme 4-5 top. C'est comme. Ouais. On s'entend. Légumes, puis t'as ton plat. Bon, ceviche. Ceviche! Ça a l'air bon, par contre, là, vrai! Ça a l'air incroyable. Enjoy ouais. Your dish. OK. Après notre cours de ceviche, on a pris un petit moment, moi, pour Maud. Santé. On a pu parler un peu de ce qui se passait dans les maisons. Elle avait savoir que peut-être que les gars ou moi manquaient un peu d'entrepreneuriat. Au début, c'était un peu l'entrepreneur, les gars. Non! J'ai dit, est-ce que vous trouvez que vous êtes entrepreneur? Là, ouais, c'est tout genre. Non, c'est ça. Moi, quand il y a un gars qui démontre son intérêt singulier envers moi, ben, on dirait que je cours vers l'autre bord. She's from Yeppington City à Dinabrogue. Cette journée-là, j'ai passé 4 heures sans chaise longue dans le fond de la cour, puis ça alternait tout. Ça spinait, mais on a absolument ma tête. Chef, faut que j'arrive, j'appogne, puis j'embrasse, ou il faut que je fasse un move, faut que tu s'assoies bien. À Dinabrogue. Je vais juste rectifier quelque chose parce que j'ai l'impression qu'avec la question. Qui était envers moi, là, de si les gars étaient assez entrepreneurs, je me suis un peu tirée dans le pied. Je veux juste, mettons, te dire que, mettons, moi, je suis pas sûre que je suis à l'aise à avoir, genre, full, là, vraiment. Ah!
Juste que tu le saches. What? The fuck? Est-ce qu'elle est un peu OD? Est à OD, là. Mais je te demande pas de show your tits. Genre, elle, on dirait qu'elle se pense qu'elle est en MasterChef, genre. Elle est là pour cuisiner du ceviche, mais ben, pas avoir de rapprochement. Brailler un peu, tu sais, des fois. Là, what the fuck? Man, c'est malaisant. Mais genre, non, mais c'est clair que Maud, dans le fond, elle avait quelqu'un avant de partir, là. On peut-tu savoir c'était qui le chauffeur de F1, whatever? Non, le gars des Blue Jays. Hey, imagine, t'as pas envie de frencher Mamadou. Mathieu Joseph, le tabarnak. C'est qui a pas envie de frencher Mamadou, sincèrement? Ben, une fille en couple avec Mathieu Joseph. À son, hey, peux-tu pas partir des rumeurs, par contre, qui sont pas vraies? Il est cute en crise, par contre. Mais oui, mais Matt, t'as sort pas avec lui. Pourquoi tu t'imagines, genre, des trucs? Dis de la merde, en ce moment-là. Ouais, mais y a du monde qui... Lève et cook, y a du monde qui pense que les acteurs, c'est des vraies personnes, là. Mais genre, ouais, ça, c'est... De même, là. Je pense qu'il était peut-être un peu déçu. Ben là! C'est ça, un moment... peut-être d'humiliation pour lui ou qu'il se sente rejeté. C'est sûr que OD, je m'attendais à que ça soit flamboyant, des French, tout, des cas. Quand t'as dit ça, j'étais comme, OK, est-ce que j'ai vraiment... comme mal lu les signaux, puis elle voulait day one que je sois non, comme... Non. J'aime beaucoup mieux qu'elle me dise tout de suite que j'essaie de faire un move, puis que, oups, ça a été un peu malaisant. Je veux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose que ça ne tente pas. C'est vraiment pas moi. Ça m'a enlevé un petit poids de sur les épaules, puis me laisse encore plus aller après ça dans l'aventure, sachant que ça s'est mis au clair. Mais quoi, quelle aventure, là? C'est comme si t'avais pas l'auteur, faut que tu fasses des escalades. Ça va pas, t'es pas en bonne place. Ce jour, je pense qu'il est bien en paix avec ça. Ben, m'a dire, c'est bizarre. C'est so bad! Je comprends que... Occupation double. C'est pas bon! Non, mais tu sais, je veux dire, c'est important qu'elle dise, pis c'est full correct dans un contexte, tu sais, c'est full correct, elle mais... Elle pense que t'es un Big Brother, c'est bro, juste genre? Qu'on dirait que je suis en bas trop, là. Mon Dieu! Elle pense que c'est un Big Brother, là. Occupation double, friendzone, là. T'as marrant, j'ai déjà trois activités, bon. Quand les filles te choisissent, toi. Ouais. Pas de ta faute, là, c'est une belle gueule. Ouais. Ouais, avec Fanny, man. Moi aussi, je me verrais avec Fanny, là. En plus, c'est ton petit. Ouais. Depuis le début, je me vois avec Fanny. Je les ai en rentrant. Let's fucking go, man. Je me bloquerai pas à faire quelque chose que j'ai envie de faire avec Katia. Faut aujourd'hui en catamaran. Bon, hein. Elle a papillonne, là, puis elle veut apprendre à connaître. Mais moi, je vais apprendre à connaître un peu plus en profondeur aujourd'hui. Puis, c'est vrai que je la nommais plus dans mes tops, Fanny, bon, mais c'est de l'ego. C'est de l'ego. Elle a toujours été. Moi, je savais au fond de toi-même que c'était de l'ego de... Oui, bon. Si c'est une activité, man, prends-la. Elle, je te jure, elle veut se faire désirer. Puis au moment que tu y en donnes un peu, je pense qu'elle va t'en donner. Ouais. Ah ouais? Ça, mais genre, quand même, parce que tu pourrais aller en date Fanny avec. Sont genre les best friends dans l'aventure. Fait comme. C'est fucked up, là, qu'il y a comme. Mais lui, je pense qu'il était juste content que Kat a dit qu'il l'intéressait, mais ouais. S'il aime mieux Fanny, tu sais. Mais c'est vrai que lui, il a l'air d'un doux qui rit après avoir fumé un badge, genre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a l'air buzzé. Ouais. Est-ce que je fréquenterais Katef à l'extérieur d'OD? Trop ça, ça nice. Ça veut dire, pense. Est-ce que je vais être beau-père? Faire les lunchs, en fait. Mec. Les gars, ben oui, ils entertainent vraiment cette idée-là, genre, ou ils coûtent tout le temps le bout parce qu'ils disent non? Je sais pas. Quoi? Je sais pas. T'sais, c'est un peu de la manipulation. Selon l'entrevue de Bilal, on a perdu des bouts. Plate, ils vont penser que, mais c'est pas du tout ça, tu comprends? Ouais. Si ouais. C'est le cas, je comprends pas, là. On est venu faire du catamaran à El Cielo. C'est un des plus beaux spots au Mexique, justement, pour voir des étoiles de mer et des raies, l'eau est turquoise comme ça. Ça a l'air de bronzer sur le catamaran, par contre. Fred, on a comme senti une petite tension. Au moins, Kat, elle a des flotteurs. C'est-tu qu'elle m'écoeure, elle, pour elle? Arrête! Sais-tu quoi? Moi, là, ça m'énerve encore. Penses-tu que... Hey! Si elle tombe dans l'eau, est-ce qu'elle flotte sur le dos même? C'est sûr que... Gros catamaran de luxe. C'est ça qui nous attend aujourd'hui, malade. Yo, je... Est-ce que t'es content que je t'ai choisi? Je suis très content. Tu t'en attendais-tu? Ah, oh, un peu. L'effet bateau, ça fait bien à tout le monde. Un beau soleil. On a juste le goût de relaxer. J'ai hâte de voir la plage au bleu. Comment ça s'appelle, donc? El Cielo. El Cielo, le ciel, c'est ça? El Cielo. C'est beau, je t'avais dit que je parlais espagnol. Ah, c'est ça, c'est charmant. J'adore les garçons qui parlent une autre langue. OK. Oh, ils mettent la toune des vacances. Le capitaine décide d'arrêter le bateau. On commence à regarder dans le fond de l'eau. Oh. On voit des taches un peu partout. On se dit, hein, c'est quoi? Puis plus qu'on voit que dans le fond, c'est juste des étoiles de mer partout. Oh. Ça n'a pas pris de temps, moi, Fred. Oh, on s'est dit, ah ouais, on saute dans l'eau. Woohoo! Oh mon Dieu! Imagine te baigner dans l'eau comme ça! On s'en va c'est enfin faire la plongée. Je vais enfin goûter à la mer de Mexique. Il fait puke. Guys, faut ignorer les enfants. Okay. Moi, si mettons, j'avais une date avec elle, ouais. Ce serait plus fort que moi, je me dirais, je ferais juste des commentaires genre. Tu sais, à quelle heure le matin pour faire les lunchs, genre?
peux pas meet une girl qui a des kids pis pas voir les kids. Tu comprends? Ouais. Faut qu'on voit. C'est quoi ta vie avec des kids pour voir comment t'es avec des enfants, genre? Mais oui. Quand toi t'en rends pas, c'est. Comme, ben quoi ça? Le soccer, comment ça marche, genre? C'est pas lâché toute la noche, j'en ai monté à côté. On voulait aller voir la même étoile de mer, on voulait aller voir la même raie. Pour une fois que j'avais une activité aquatique, j'ai trouvé que Fred, il nageait très bien. Il a même pas demandé de veste de sauvetage. J'étais très fière. Très contente. Okay. J'ai pas eu le hic, c'était bon. Avec Mick. C'est tellement dégoûtant, un gars qui se tue dans l'eau, hein. T'as raison. Moi, simple, moi, tout, je trouve ça dégueulasse. Loser, tout. Calvaire. Chantais la petite tension. Ça ressemble à la chute de vendredi dernier. Petite main sur la cuisse. On se regardait dans les yeux, tout ça. C'est très agréable. C'est quand même pas pire comme première date. C'est une estime de meilleure date que d'aller voir des abeilles, là. On s'entend. Oh, ouais, on s'entend, là. Cheers. Ouais, ce gars-là, il veut. Hein, il se calisse, là. Les mecs, ils sentent les mains. C'est incroyable. C'était une vraie, vraie date. Première date, on s'est jamais parlé. Non, c'est ça, en direct sur le catamaran. Mmh. On s'était parlé une fois, elle était pas plus venue me voir, donc je me disais, écoute, si elle a vraiment envie de me voir, elle va venir me voir. Moi, dans la vie, là, je vais direct au point. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée le voir, puis j'ai dit, écrit, j'existe, je suis là. Puis si, mettons, c'est toi qui avais eu l'activité, tu m'aurais-tu choisi ou t'aurais choisi quelqu'un d'autre? C'est une bonne question. Honnêtement, c'est une bonne question, je vais être sincère. C'est sûr qu'il y aurait un moment d'hésitation, mais ça aurait été entre Fanny et toi. Ouais. J'aurais. Ce qu'on disait, moi, Fanny, hier, ouais. On aurait aimé ça que ce soit lui qui choisisse. J'aurais été mis sur le spot, hein? Mais je voulais être honnête avec Katev. Je voulais pas juste dire, oh, parce que tu m'as choisi, je t'aurais choisi aussi. Puis après, arriver dans la maison, puis dire autre chose sûr. Au gars. C'est vrai. La vérité, c'est que j'aurais réellement hésité entre les deux. Ouais, I guess. Oh! Si? What? What? Tabarnak! Non, il est bon, là! What the fuck? Non, mais il rattrape la température, là! C'est crazy! Mais là, le preview avec Félix qui retaponne Kat, c'est encore plus weird! Je comprends plus rien! Non, mais en voyant ça, c'est encore plus étrange! Hey, c'est insane pour vrai! C'est sûr que c'est lui qui a peut-être initié le mouvement, mais j'ai pas refusé, j'étais très d'accord. Je pense que c'était une question d'énergie, puis les deux, on était sur la même vibration, puis c'était juste un beau moment. Ben oui! Il y a un mec qui se fait sauter sa queue, puis il est comme « Oh, arrête! » C'est sourbable. C'est vraiment que ça va créer un froid entre Katef, Fanny. C'est Félix. Oh, shit! C'est vrai, bonjour! Oh, shit, c'est bon. Ça va fun. Raph qui rêve que tout le monde french tout le temps. Oh, ouais, il doit capoter. Juste vous dire que mon outfit fitait avec le bateau. Un gros catamaran qui sort de nulle part, bro. On était tout seuls. Ça chambre à l'intérieur, deux on arrive à la baie El Cielo. Ils nous donnent des masques et un tuba. On nageait avec genre, on avait plein d'étoiles de mer partout. Non, là, bleu, transparente, c'est pas trop creux. Non, écoute, on peut descendre, tu sais, puis aller les voir. C'était comme dessiné pour catastrophe, là, cette activité-là. Bateau, plongée, et voilà. On s'est collé un peu dans l'eau, mettons, là, tu sais. Sérieux, Fred, genre, c'est un bonbon, là. Genre, il aurait pas fallu qu'il arrive en début d'aventure, c'est genre... So, on s'installe pour la date, pop la bouteille de bulle de nuit, serre de ouais. T'es comme une activité parfaite. Pop la bottle, sors ma queue, le tour est déjoué. Honnêtement. Genre, on a tellement ri toute la journée. Genre, on dirait vraiment genre un mini-moi, genre, on fait les mêmes niaiseries, on s'entend vraiment bien. On finit le champagne. Elle a déjà des mini-elles, oui, elle en a deux. Et on jase un peu, nanana. Puis... Je la regarde, je la poignée, puis je la freine. Il m'a embrassée. C'est bon. C'est qui, excuse? Qui vient à gauche? Chasseur, cruiseur, genre, il était zéro politicien. Genre, c'est pas juste embrasser une fois. Qui embrasse mieux? Fanny. Ouais, qui embrasse mieux? X ou Fred? Ben, j'ai plus, mettons, ressenti des émotions, puis de, genre de. Feeling. Mm-hmm, avec Fred. Charlot est venu, puis. Ok, c'est elle est juste venue dans mon bras, vu que je la tenais comme ça, tu sais. Sur le filet, oh, on tapait, puis t'avais une main sacrée, c'est. J'ai dit, parce que derrière, dans le confesse, j'ai dit, moi, celui qui allait gagner l'aventure, c'est lui qui frenchait le plus. Et comme je savais pas, je te laisse Raph pour une soirée. Oh, imagine!
j'étais pas aimé. Une démonstration. Raph, il est trop content parce que le show, il doit être comme c'est bon, là. Lui, il veut juste que les gars, ils jouent parce que sinon, il a l'air d'une tâche. Faut que ça balance un peu, là. Fanny, tu penses-tu qu'elle va aller vers Max maintenant? C'est qui, Max, excuse? Tu penses vraiment qu'il y en a un, genre des personnes en ce moment qui sont matchées, que ça va marcher à l'extérieur? C'est dur à dire. Moi, je pense que celui-là qui pourrait le plus marcher, c'est Félix puis Solène. Eh, moi, j'allais dire le moins. Ah ouais? Ouais. Je crois vraiment en l'authenticité de comment ils sentent en ce moment. Mais je pense qu'à l'extérieur, je pense pas qu'ils savent qu'ils sont. Mettons Raph, no regrets, parce que si pour lui, genre, il se sent bien cocooning avec Kat, il aurait jamais pu me gérer. Ça te prend un homme, toi, là? Mettons, c'est ça que je l'aime. Il est direct venu me parler, il est direct venu me voir. Mm-hmm. Il m'a dit, bon, t'avais un intérêt pour Raph, mais je suis pas sur mon ego, je passe par-dessus. Tu comprends? Là, on rentre dans ma gamme. Ouais. Ouais, mais c'est le seul que t'as pas niaisé non plus. Fallait avait juste se convaincre que tout ce qu'elle fait, c'est correct. À gauche. Je sais pas, là, c'est fatigant. Mais niaisé aucun. Fanny, sérieux, t'es toute niaisée, là. C'est vrai. Ça, c'est chien. Ils ont toutes fait niaiser, là. C'est vrai. En attendant que moi, je sache que comment je me sens, pour des gars, c'est se faire niaiser. Ouais. Ah! Mais oui! Ça, t'es en amour. T'as l'air mielleuse, genre. Oui, j'ai l'air mielleuse. Pourquoi t'es en amour avec Raph? Si tu me coûteras pas 1000$, ma calice. Hey! Check ce que tu dis, Kat, là. Voyons, Raph, il s'en va, est-ce que tu faire des vlogs après ça, là? Hey, elle va me coûter 1000$! Non, non. Je serais pas de même. Là, je suis dans le contexte OD où est-ce que j'ai aucun contrôle sur rien, fait que ça me donne encore plus le goût. Ça marche pour toi? Ça marche pas pour tout le monde. C'est juste... C'est juste... C'est... Ah. Va... Laisse pas me puncher avec ça, c'est je le prête pour une soirée. Ouais. Oh my God, je fais pitié à ce point. Quand même. Mais Christina et Alexa, pour être honnête avec toi, je sens pas. Juste une chose pour faire attention avec Fanny. Ah, je sais. Juste Fanny, je suis la seule option même. C'est, je pense que j'y plais physiquement, non? Il dit ça après qu'il est frenché. Ouais. Lui, tout, il game à fond la caisse. Ah, ouais. Pas de soucis, en fait. Que... Ouais. Juste fais attention au vent. Ouais, 100%. En même temps, c'est un jeu, mais c'est pas un jeu. Parce que c'est des sentiments, tu sais. Un peu, tu sais, mettons, moi, là, avec la pizza avec Fanny, là. Ouais. J'ai joué à la game, tu comprends? Allô? Il y a quelqu'un qui a commandé de la pizza? Ben, je viens... Bilal, parti too soon, right? Ah, un moment de silence pour Bilal. Bilal, j'ai écouté son entrevue, puis il disait qu'il s'attendait pas tant que ça à se faire éliminer cette journée-là. Parce que Fanny avait dit, je pense que je vais te protéger ou de quoi de même. Hey, whatever qu'est-ce qu'il prend, c'est de la bonne, là, pour elle. Là. C'est fou, là. Whatever ce qu'il prend, c'est le best, là. Voler ta date, c'est facile de jouer avec Fanny, oui, parce que je l'apprécie beaucoup comme personne. Est-ce que ma décision était faite avant d'y aller? Aussi. Fais attention, bro. Ouais, il va falloir que je fasse attention. Puis j'ai l'impression que si je vais au voyage d'un, ça sera pas avec Katef. Ça va être avec qui? Fanny. Mais real no! D'un côté, t'as... Ok, fait qu'il tripe plus sur Fanny. Tu te prends pas la tête, tu sais ce que c'est. Mais clairement, il tripe plus sur Fanny. Tu vas te faire du fun, comme aujourd'hui tu t'es fait du fun pis tout. Katef, c'est un peu le genre de fille... poule de luxe, là. Je veux pas voyager ça. Parce que... Qu'est-ce que je sais? T'as l'air juste. Qu'est-ce que je trouve? C'est qu'on va avoir du good time, on va avoir du fun time, on va frencher, bon. C'est le truc que je veux. Poule de luxe! C'est bon. Il a dit, mon, je veux pas être pogné avec ce genre de fille, là. Wow! Mais est-ce que tu penses c'est tellement bon. Pense que elle disait on est sur un catamaran de luxe, blablabla. C'est tellement crétin, par contre, de dire ça, mais... Ouais, mais en même temps, attends, est-ce que je peux... attends, est-ce que je peux juste dire de quoi? Il voit aller ça, puis il a French. Mais non, mais attends, il est tellement dumb. Tu vois Kat, ça a quand même l'air d'être une... Ouais, mais... Claude, si je veux pas manger le gâteau au fromage, je le mange pas, là. De princesse. Après, t'es pas comme fuck. Mais non, je l'ai mangé, genre. Fanny, il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit que... Ici, c'est ambigu, mais qu'à l'extérieur, la vraie vie, je suis sûr qu'il n'y a pas comme ça à l'extérieur. Pas comment? À gauche, en droite, en haut, en bas, diagonale. Selon toi, j'ai bien fait. Non, moi, c'est Katef, là, 100%. Mais non! Mais non! C'est sûr que Raph, il va dire oui! Mais pourquoi c'est un bon move? Pas un bon move, non! Mais j'en reviens pas. Je veux pas être payé une fille de même. Il y a French. T'es tellement calme! J'en reviens pas pour lui. Ah mais c'est vraiment drôle, ça en fout de caca. Et comment tu veux qu'il ferait Fanny après? Après le petit moment avec Maud, on rencontre notre instructeur, Mario. Hola! Mario! Hello! To Adrenalina, my name is Mario. Go back on the car. Ok, yes! Check ça, y'a autre frère et soeur. Ça part. Yep. On dirait pas que ce genre-là devrait aller là. À quoi?
Et ça, il m'a. Si j'amenais la Nissan Kicks dans le sort, genre. C'est quoi ce char là? Ouais, oh my god! Oh, il part des dunes, ça monte sur le côté, ça mais descend. Mais c'est ça, c'est bas, cool ça quand monte même! Encore. C'est quand même, là! Dans ma tête, c'est un Doom Buggy, là. Les full large, impossible qu'elle se mette à flipper. Ouais. Il y a de la, du power, genre. Mais c'est cool. J'ai tellement eu peur, pour vrai! J'adore ça! Mais ça a l'air de bien marcher, I guess. On était vraiment deux enfants. Un petit bout d'avenir. On dirait un gars qui va présenter la fille à un de ses amis. Genre, tu comprends? Ouais. On dirait pas que c'est lui, le c'est gars. C'est vraiment bizarre. Hein? Ah, les deux qui font des backflips, good job! Ah. Malade. Elle vient tomber cool. Malade. On voit une petite structure au loin. C'est une tente. True, il y a un festin qui True, nous attend. Avec une petite caribe en plus oui, sur le côté, c'est vraiment un beau moment. J'ai rarement vu un beau coucher solide. Ah oui, ça n'a pas de sens. Oh, wow. J'adore la vie, j'adore OD. L'extérieur, ça te... C'est quand même cool. Je joue pas dans la tête. Oui, oui, définitivement. Même... En étant avec toi, là, je me suis posé la question comment je pourrais faire fonctionner cette relation-là à l'extérieur aussi. Quelle relation, excuse? C'est comme, I mean... Moi, pour être à l'extérieur, ça me fait vraiment peur, là. On dirait que je me mets un blocage. Attends, peu fait pause! Ici. Ben, là, of course, on le dit à toutes les années, là, mais le monde qui se donne comme excuse l'extérieur, c'est du monde qui sont pas réellement en amour ou qui ont pas réellement de crush. Parce que quand t'es réellement en amour, tu t'en calises de l'extérieur, ça va fonctionner no matter what. Mais quand tu sors... Non, ça n'a pas rapport, là. Quand tu sors potentiellement avec... Ah, c'est-tu que cette gosse? Un baller... Oh my god, tel que Mathieu Joseph... Je trouve ça mais un non, peu non, mais zéro peur. Moi, je savais qu'on allait sortir ensemble. J'avais juste pas confiance en Matt. Qui me mettre all-in... Dans c'est la vrai? Relation. C'est quoi qui fait peur de, admettons, le après? La réaction de mon chum. Non, mais. Genre. Qu'est-ce qui fait si peur, mon? J'avais. La réaction de mon chum. Non, mais. C'est vraiment un blocage, même si c'est vraiment juste un an. C'est. Il veut pas quelque chose qui me mal, moi, je pense, puis qui me trotte dans la tête. Je sais qu'il y a une profondeur en dedans de lui, puis que ça vient de la maturité. C'est plus dans un quotidien que j'ai hâte de voir. C'est sûr que ça m'a fait un petit quelque chose. Je vois. Elle, c'est. Tu sais, le. C'est le, la friendzone en personne. Tu sais, le challenge en le temps, là. C'est qu'on lui dit un bac de glace sur la tête, là. C'est Maud, genre. Le Ice tout, Bucket Challenge. Le, Maud, c'est le Ice Bucket salut, Challenge. Salut, mon nom est Claudie Mercier et je nomine telle personne oui. pour le Ice Bucket Challenge. Elle a mandor, c'était. Me mettre une petite carapace parce que je veux pas être blessé ou quoi que ce soit. Je veux pouvoir vivre mon moment présent puis je veux que tu puisses faire la même chose aussi. Je suis content ils ont de un an de différence! En ce moment, puis qu'un match, puis que ça soit pas nécessairement l'amour fou, que ça soit juste qu'on prend notre temps. Comme, je suis, honnêtement, je suis juste comme reconnaissant d'être là, puis ouais. C'est ça. Maud, c'est une personne qui est incroyable. Je sais que je vais pas nécessairement aller la pogner, aller l'embrasser au prochain 5 à 7, mais c'est vraiment la personne avec... Oh my god. Il est beau, ton chum, hein? On a un beau moment. Mais c'est tout ce que t'as entendu ça, sincèrement. Puis je veux creuser le plus la relation. C'est peut-être une manière justement de me protéger, moi aussi, mon petit cœur. Je pense qu'en ce moment, c'est ça qu'on développe le plus. On va aller explorer ça à l'extérieur. Non, vous allez pas explorer. J'ai un petit cœur fragile, faut le protéger. Non. OK, noob. Ça a aucun sens. Ils vont rien. À venir, à occuper. Tellement noble. Va absolument rien se passer entre mais toi. Mais elle parle puis elle essaie de convaincre qui, genre? Et on s'en fout, là. Tu peux dire ce que tu penses pour elle, là. Ça a l'air que tantôt, il y aurait eu une rumeur. Il y aurait un article, c'était une rumeur qu'il se fréquentait. Okay. C'est tout. Pour vrai, pour moi, en tout cas, c'est plus facile de développer des sentiments ici qu'à l'extérieur. Moi aussi, big time. Mm-hmm. Jamais je me suis sentie de même par rapport à un gars que j'ai rencontré il y a un mois. Non, jamais. J'ai aucun gars rentré dans mon intimité, là, depuis un an. Oh! Puis là, je suis là avec Raph. Pis genre, je me laisse être gaga. C'est fucked up, là. C'est quoi, j'ai je suis pas de même dans rien. Mais mettons, scénario. Ça me Alex. Scénario, il y a moi, toi, Mam, pis Alexa à table. Pis mettons qu'il y a juste trois couples qui y vont. Qu'est-ce que tu fais? Tu le sais, qu'est-ce que je fais? Ouais, OK, mais t'es prêt à faire ça? Ouais. Attends. Oh. OK, comment tu raises? Je fold. Tu...
tu sais ce que je fais. Ah, c'est je dis bon. Dis qu'Alexa, ben il aime oui, pas Christina. Mais non, 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 tu les crises dans le rôle, c'est juste ça. Ben oui, ça, tu sais ce que je fais, bien. Je pousse pour que le gars assis à un pied et demi de moi, là, je le pousse pour qu'il crisse le camp. C'est correct, là. Je pense qu'il s'apprécie, mais c'est pas son meilleur pote. Fait. Ouais, mais c'est fucking. Tu fais partie, le gars, de qui t'es moins proche. C'est logique. C'est ouais, même ça marche. Hein. Fucking drôle comme situation que lui arrive pis les gars ils font semblant de jouer aux cartes. Ouais, mais quand avec Bilal que si raf arrive, je parlais pas de toi, bro! Je parlais pas de toi! Ça c'était un bon moment préféré. Hein, tu serais prêt à le faire, toi? Ça me donne à chaque fois qu'on parle de ça dire. Tu serais prêt à le faire? Prêt, non? Ça dépend, là. Faudrait qu'on se parle avant. Ouais. Il va y avoir des trucs avant ça aussi. Ouais, ouais. Il va y avoir. Ça n'a jamais été fort. C'est ça. Il l'avouait lui-même. Mais jusqu'à là. Jusqu'à là, genre, pour en arriver là, il va falloir quand même se tenir les coudes, là. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ça ne marchera pas. J'aimerais vraiment que les gars soient genre des besties aussi. Oh my god, que c'est drôle! Sont-tu les. Hey. C'est dans le jour, la conversation dans la nuit, ouais. Ils font ça en même temps. Ouais, mais tu sais, ça reste que c'est quand même fucking bad que genre. Non, mais tu peux pas être ami avec tout le monde. C'est correct, tu sais. C'est vous. Non, mais dans le sens que crime, mais. Genre, il me semble qu'ils fitraient en amitié, eux autres. Non. Ils sont pas. Oh. Crie, pas du même. C'est sûr qu'il a dit que. Mais là, qu'elle a dit que la personne la plus red flag, c'était Christina, mais elle a expliqué pourquoi. Elle disait que c'était à cause qu'elle a dormi dans les chalets avant d'aller à OD avec. Puis elle dit que c'est vraiment une autre personne devant les cams. Genre, elle dit qu'elle reconnaît moins, genre, devant les cams. Ah ouais? La Christina que j'ai connue dans le chalet, c'est pas nécessairement elle qui se laisse aller comme. Ah ouais? Fait que. Écoute, on apprécie l'input de Ménèque là-dessus.